Before the song came out, bitch, you been a top. Bust down, Bobbiana, bust down, Bobbiana. Then pack that shit up. On the game, then pack that shit up. On the mat, then pack that shit up. Bust down, Bobbiana, bust down. Then pack that shit up. On the game, Bobbiana. Bust down, Bobbiana. Bust down and pick that shit up. Bust down and pick that shit up. Bust it open and pick that shit up. Bust it open and pick that shit up. Désolé, hein, mais c'est un bop. J'étais obligé de le partager avec vous. Je pense qu'il est l'heure de passer à l'objet de la vidéo. Générique. Hi guys, welcome to my channel. Bon, aujourd'hui c'est la deuxième story time de ma chaîne. Je vous raconte ça parce qu'on est dans un bon timing vu que la Saint-Valentin c'est la semaine prochaine et qu'en vrai cette histoire là est trop drôle, vous allez grave vous foutre de ma gueule. Comme diraient mes préférés, c'est l'archouma en fait. Je suis vraiment un con fini. Enfin bref, je vous replace dans le contexte de l'histoire. En gros, il y a 2 ans, donc ma première année à Paris, le jour de la Saint-Valentin, j'étais seul. Comme les 19 autres Saint-Valentin. Bref, donc j'étais seul et il y avait plusieurs potes à moi qui étaient célibataires aussi. Donc on a décidé d'un commun accord qu'au lieu de rester chez nous, souligner le fait qu'on est des sans rien, on va sortir, on va aller en boîte de nuit, on va faire la night, tout ça, machin. Donc on décide ça, bien sûr, évidemment, on décide ça le jour même de la Saint-Valentin. J'avais cours toute la journée. Au moment de sortir de cours, je décide d'aller acheter des vêtements pour la soirée. Donc je vais à Châtelet, j'ai fait mon shopping, tout ça, machin. Bon, je cherche. Finalement, je trouve un truc genre, franchement, l'outfit... Dès ça. Et du coup, il est 21h, j'ai trouvé mon outfit. Je rentre chez moi. Donc, je vais prendre mon train. Jusqu'à là, tout va bien. Je prends le premier RER. Ensuite, j'ai une correspondance à Saint-Michel pour prendre mon deuxième RER pour aller chez moi. Tout se passe très bien, tout ça. Je suis assis dans mon RER. On arrive à BNF. Et je me lève parce que, genre, après BNF, genre, c'est la station pour descendre chez moi, tu vois. Donc, après BNF, je me lève pour. Enfin, je me lève, quoi, en mode. C'est très rare hein, que je me lève avant que le train genre soit arrêté. Mais je sais pas, ce jour-là, j'étais excité. Je me suis dit, oh super, trop bien, ce soir on sort, je serai trop bien habillé, tout ça. Donc je me lève et je vais à la porte en attendant le prochain arrêt. Et donc là, je suis à la fenêtre et je capte que le train se met dans la voie du milieu. Genre, il y a 3 voies. Une voie parquée, genre pour aller au sud, pour aller au nord, il y a 2 voies. Et la voie du milieu, genre la voie des TGV. Et je vois que le train accélère dangereusement. Je suis perplexe et tout le machin, je me dis bon, ne t'alarme pas, tu passes une bonne journée, ne t'alarme pas. Donc on arrive à ma station et là, en fait les gars, le train ne s'arrête pas. Donc moi comme un guignol, je suis à la fenêtre, je me retourne en mode, molly les gars, le train est piégé, qu'est-ce qui se passe? Ça dérange personne, le train est à toute vitesse, le train ne s'arrête pas, on va où? Qu'est-ce qui se passe? Ils étaient en attentat, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vois le train ne s'arrête pas à mon arrêt. Le train ne s'arrête pas à l'arrêt d'après, ni l'arrêt d'après-après, ni après-après-après-après. Là, je commence à m'inquiéter. Le train va très vite et je ne sais pas où je vais. Donc, je vais voir une petite dame et je lui fais « Excusez-moi, madame, le train va où? Enfin, il se passe quoi au juste ?» Et là, la meuf fait « Oui, ben, en fait, monsieur, c'est un sans-arrêt. » Un sans-arrêt? Comment ça, un sans-arrêt? Oui, 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 il va à Chéron. Chéron? Comment ça Chéron? Comment ça Chéron? Ne vous inquiétez pas, c'est pas si loin. C'est à 1 heure d'ici, il est sans arrêt. Seulement là, il est déjà 20h30. J'ai signé pour aller à Chéron. C'était ma première année à Paris, je connais pas les bails de sans arrêt, pas sans arrêt. Si tu mets un arrêt, c'est que le train va s'arrêter. Pourquoi tu écris des arrêts où le train s'arrête? Honnêtement, tu écris des arrêts. Et le train ne va pas s'arrêter là. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de là où le train ne s'arrête pas, en fait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu veux pas marquer Martinique aussi sur le truc, le panneau? Marque Martinique, vu qu'il ne va pas en Martinique. Marque Martinique, en fait. C'est à 1 heure d'ici. Je regarde mon téléphone, je n'ai plus de batterie. Je vous dis honnêtement, Chéron, c'est genre derrière Dieu. Genre derrière Dieu. Bon, si vous voyez où est-ce que c'est, je calcule pas Chiron. Donc je suis très énervé, je suis dans mon train, je,
je prends mon mal en plaçant, je ne peux pas écouter de musique, je ne peux pas jouer, je suis juste là à la fenêtre en train de regarder le TGV avancer avec moi et m'emmener en fait au Maghreb islamique. Finalement, une heure plus tard, on arrive à Chiron. Il est déjà à 21h30, 22h. Je cherche un train pour retourner à Paris et partir du pays des merveilles, en fait. Bien évidemment, pour que l'histoire soit drôle, il n'y a pas de train. Genre, le prochain train est dans 100 ans. Enfin, le prochain train est genre bien tard. Genre, une heure plus tard, il y a un train. Donc, je suis énervé, je commence à paniquer et tout. Et quand je stresse, j'ai direct envie de faire pipi. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Je cherche partout où faire pipi, il n'y a pas de toilette à la gare de Chiron. Les bails de faire pipi dans la rue, je trouve que je n'aime pas ça. J'aime pas voir les gens faire ça, j'aime pas ça. Je suis pas un chien. Il y a des toilettes, si on a inventé les toilettes, c'est pour que je fasse pipi aux toilettes, pas dans la rue. C'est pas sous prétexte que j'ai un zizi qui est maniable que je fais pipi partout en fait. Je trouve ça odieux. Donc j'ai envie de trouver des toilettes pour faire pipi, ce qui est légitime. Les pas de GPS pour taper toilettes sur Google Maps. Donc je tourne autour de la gare de Chiron, enfin je cherche, j'essaie de pas trop m'éloigner pour ne pas me perdre vu que j'ai pas de GPS, bref. Finalement, j'arrive dans un bar. J'arrive dans le bar, il y a un monsieur dans le bar, le monsieur qui tient le bar. Et il y avait personne dans le bar, il y avait genre personne. Et donc le monsieur est là et les toilettes sont au fond, genre en face de moi. Donc je passe par le monsieur, enfin je peux pas rentrer. Et puis aller dans les toilettes du monsieur Blue. Donc je vois le monsieur, il explique que oui, bon, j'ai pris un train, que mon train était sans arrêt, et que bon. Donc je lui demande est-ce que c'est possible d'utiliser ces toilettes, parce que j'ai envie d'aller aux toilettes, et que mon train est dans 45 minutes, et que voilà, que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Le monsieur écoute tout ce que j'ai à lui dire, genre tout, il écoute ce que j'ai à lui dire. Et puis quand j'ai fini de lui parler, que je lui dis du coup, est-ce que je peux utiliser vos toilettes, il m'a dit oui, ça sera 1€. Donc moi, il n'y a pas de problème. Donc je cherche dans mon sac, je prends mon portefeuille et je cherche si j'ai 1€. J'ai pas de monnaie, j'ai pas ça. Donc je lui dis, excusez-moi, bon j'ai pas 1€, mais est-ce que c'est possible de vous... Enfin, si vous voulez 1€, ben je vous paye 1€ par carte, quoi. Enfin, ça n'a pas de sens, mais il veut son euro et moi j'ai bien fait un pipi. Donc je lui donne son euro par carte. Ah non, par contre, on prend pas la carte en dessous de 15€. Je regarde le monsieur. Le monsieur me regarde. Je regarde le monsieur. On fait comme moi. Enfin, prenez pas la carte. J'ai pas 1€ en pièces. On fait quoi? Le monsieur a le culot de me répondre. Ah, ça, c'est pas mon problème. Vous n'allez pas aller dans les toilettes. Je sais pas si vous réalisez la gravité de l'affront en fait. Le monsieur est en train de faire des jeux avec moi pour 1€. 1 rond! Le monsieur fait des jeux avec moi. J'ai envie de faire pipi et je vois les toilettes. D'autant plus que je suis à Chiron et que là, j'étais censé être chez moi en train de me préparer. Le monsieur est en train de faire des jeux avec ma personne, en fait. Quand je vous raconte des storytelling comme ça, vous savez que ça m'énerve. Genre là, ça m'énerve. Genre, je me rappelle le monsieur devant moi qui me dit non pour aller aux toilettes alors que c'est 1€. C'est trop grave, en fait. C'est trop grave. Donc, je lui ai expliqué, écoutez, monsieur. Le bar est vide, il n'y a personne. Enfin, vous n'allez pas. Enfin, faut pas exagérer. J'ai besoin d'aller aux toilettes. J'ai pas une pièce d'un euro. Vous voulez pas prendre ma carte? Vous n'allez pas m'empêcher d'aller aux toilettes alors que les toilettes sont là et qu'il n'y a personne. Enfin, faut pas forcer. Essayez de. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Soyez pas bête, en fait. Soyez pas bête. Dans le regard du monsieur, je sens qu'il se dit là, ce soir, je bute un négro. Tu sais, j'ai de la bouche, tout ça. Je capte que le monsieur a un regard bizarre, genre, je suis pas serein, mais je me dis, bon, je me dis, de toute façon, j'en ai rien à foutre. La journée m'a dit, j'ai essayé, j'ai besoin d'aller aux toilettes, le monsieur est en train de me faire chier pour 1€. Faut pas déconner, en fait. Le monsieur reste très calme. Il me fait, ouais, par contre, vous allez arrêter de me gonfler. Je vous ai dit, vous vous cassez, en fait. Vous n'allez pas aux toilettes, vous n'avez pas 1€, vous vous cassez. Les gars. I remember thinking... I'm about to beat this bitch up. Donc je lui fais, écoutez-moi bien. Écoutez bien ce que je vous dis là ce soir. C'est soit j'utilise vos toilettes, soit je sors mon coco là dans le bar et je pisse dans votre bar. Entendez bien. Soit je sors mon coco dans votre bar, je pisse dans votre bar. Vous avez bien entendu ce que je vous dis là? Il me fait, ah bon, il n'y a pas de problème.
deux secondes. On va régler ça. Il a le monsieur pas. Et le monsieur va derrière Jean. Il ouvre sa porte, la porte de son bain. Et puis il va derrière son bain. J'ai dit la la la. À cet instant même, là, 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 mon cerveau s'est clic, remis en place. Et je me suis dit, là, là, Maxime, le monsieur est allé chercher un fusil en arrière-boutique. Et que moi, ma mère ne paye pas de loyer à Paris pour que je prenne une balle à Chiron. Donc, il vaudrait mieux que je parte. Il n'était pas question que pour un fucking train qui ne s'arrête pas à ses arrêts, je prenne une balle à Chiron. Donc j'ai pris mes jambes à mon cou et je me suis cassé en fait. Ce scénario là 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 là. C'était pas le scénario du soir. Je laissais aucun papy blanc me foutre une balle et me foutre en trois morceaux dans sa cave. Donc j'ai dit là, je me casse. Je suis allé près de la gare, j'ai fait pipi près de la gare comme un porc, comme vous en fait, et j'ai attendu mon train. J'étais comme ça dans la gare, parce qu'à tout moment, je me disais, il n'y avait personne dans la gare, il faisait nuit, on est à Chiron, le monsieur peut tout à fait venir, me foutre une balle dans la tête, et puis me ramener au bar, hein. Me ramener. Je ne peux pas vous retranscrire le regard du monsieur, je ne peux pas vous expliquer pourquoi je sais que le monsieur allait me foutre une balle. Mais les gars, je sais, vous ne pouvez pas savoir, mais moi, je sais, j'ai vu comment le monsieur m'a regardé, et je sais que la façon dont il allait dans son arrière-boutique, c'était pour me flinguer. J'ai attendu mon train 40 minutes de plus. Et puis finalement, le train est arrivé. Je suis arrivé à Paris, il devait être minuit. Je suis rentré chez moi. J'ai dit là, ce soir-là, j'ai déjà atterri à Chiron. J'ai déjà failli prendre une balle. La balle là, que j'ai évitée à Chiron, je vais la prendre en soirée là, ce soir. Ma grand-mère m'a toujours dit, quand tu vois, tu essaies de faire quelque chose et que tu n'arrives pas à faire la chose, il faut annuler, il faut cancel, il faut finir avec ça. Tu peux me dire que je vais acheter des vêtements à Châtelet, ça s'est fini dans un bar à Chiron. C'est pas possible. C'est que là, Dieu voulait me dire, écoute là gros, reste chez toi ce soir. On annule. Reste chez toi, reste tranquille. Tu vas prendre aucune balle dans ton lit en fait. Donc j'ai envoyé gentiment un message à mes copains pour leur dire, les gars, j'ai pris un RER piégé. Il est minuit, je viens d'arriver chez moi, je ne vais pas me presser à me préparer tout ça. Je ne suis pas d'humeur, donc amusez-vous bien, tout ça. Finalement, le lendemain, ils m'ont dit qu'ils ont fait la night. Moi, j'ai passé la Saint-Valentin seul chez moi. Donc voilà les gars, voici la fin de la story. J'espère que vous n'aurez pas une Saint-Valentin aussi éclatée que moi cette année. Et puis voilà, j'espère que vous avez des bords, j'espère que vous avez des amoureux, amoureuses, j'espère que vous avez prévu plein de petites choses. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette année, je ne vais pas finir à Chiron. Même si vous êtes comme moi et que vous aimez faire un bordel, faire la malade, rentrer sur les gens, tout ça, faites attention à vous parce qu'il y a des malades. Et si vous tombez sur ce monsieur-là, je vous promets, hein, il a un fusil. Il a un fusil dans son bar, les gars. Il a un putain de fusil dans son bar. Donc si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez. N'oubliez pas de me suivre sur mes réseaux, de me suivre sur Instagram, de me suivre sur Twitter. Voilà, et de surtout me suivre sur YouTube. Et puis voilà, et puis mes liens sont dans ma barre info, et puis voilà, donc je vous fais de gros bisous.